Au sous télévision nationale d'Haïti dans le 4e sortie journal mi-temps journée. Bonsoir tout le monde et bienvenue. N'a démarré tout de suite avec page météorologique là et c'est toujours avec collaborateur nous Wilner Polidor. Wilner, bonsoir, qui j'en sais. Nous comptons pour nous ensemble avec aujourd'hui pour prévision météorologique là et alors comment situation est sous pays à jeudi, malgré nous gagnons croquis en altitude au niveau de Caraïbes centrales là, mais Haïti en bas en masse d'air qui est plus ou moins stable jeudi. Cela veut dire que pour jeudi avec demain vendredi, on a battu avec un temps qui plus ou moins stable sous pays. Et c'est pour cela qu'on a gagné un temps qui ensoleillé avec peu vanté sous majorité département, non seulement au cours de journée et en fin d'après-midi, mais en soirée, gagner possibilité pour gagner quelques petites convections qui pas trop profondes, qui capables quelques averses sous quelques reliefs pays. Disons massif du nord, massif chaîne des matins, mon nacelle avec massif de la haute a supposé gagner quelques gouttes la pluie qui a osé aux mains. Dans l'ensemble, pour majorité département, je dis assez beau temps, soleil avec quelques passages en juin l'après-midi, avec quelques averses isolées en soirée. Mais à partir de samedi et dimanche, nous avons une activité la plus au cap augmenté par rapport avec nous gagnons un croc qui va trouver au niveau de Jamaïque, la prolonger sous tout le pays d'Haïti et majorité département ou bien totalité département samedi dimanche a concerné par gros activité la pluie et capable même gagner quelques zones qui inondées. Mais à partir de demain, nous apporter plus précision pour sous conditions qui venir pour week-end, disons samedi et dimanche. Pour capitale avec zone qui environne son capitale qui aussi joué de beau temps par rapport avec la situation que de beau temps ça que nous gagnons par rapport avec Mazéala qui plus ou moins stable. Nous avons un temps qui ensoleillé sous Port-au-Prince avec la zone qui environne Lyo avec quelques passages nuageux en fin d'après-midi et en soirée et quelques gouttes la pluie était possible sous massif de la Selle et sous zone qui au sud et au sud-ouest de capitale là. Mais dans l'ensemble c'est beau temps pour capitale avec la zone qui environne Lyo et nous avons une température jeudi à cap monter jusqu'à 34 degrés Celsius, ça fait très chaud sous capitale là et puis voilà descendre en nuit dans ces 24 degrés Celsius n'a pas senti fait chaleur au cours de soirée sous capitale là avec zone qui avait on est pour la mer nous gain zone côte nous non seulement côte sud avec golfe la mer a pas trop pas rien trop souci c'est peu agité gain côté c'est une mer qui est très belle mais pour zone côtière nord pays d'Haïti la mer a commencé à agiter à faute c'est juste 5 à 7 pieds n'a gain mer qui agité et demandé capitaine de petite précaution sur zone côtière nord par rapport avec la mer a cap agité pour jeudia et pour pas juste le mec là cela a couché jeudia à 6h53 et l'a levé demain matin à 6h37 minutes. Merci pour fidélité avec attention. N'a pas croisé demain pour l'autre page météo. Bonne fin de journée ou bonne soirée à chacun de vous. Merci Wilner et bonne fin de journée à vous-même tout. N'actualité à plusieurs sénateurs et députés étaient réunis mercredi 12 septembre là en Assemblée nationale dans une session extraordinaire pour capable répondre à convocation président de la République là Jovenel Moïse. Dans la session extraordinaire ça parlementaire ont gain pour statuer sous énoncé politique générale premier ministre nommé à président Sénat Joseph Lambert annoncé grand corps à recevoir PM nommé à toute cabinet demain vendredi 14 septembre à 1h30 PM pour énoncer politique générale. L'autre dossier, président de la République, là, Jovenel Moïse, recevoir lettre créance 3 nouveaux ambassadeurs mercredi 12 septembre là, dans le Palais National. C'est ambassadeur Royaume Espagne, José San Serrano, ambassadeur Confédération Suisse, Geneviève Feders-Pielsing, et puis ambassadeur Pays la France, José Gomez. Trois diplomates ont expliqué coopération pays à Haïti, abcentrés sous divers points en cours, éducation, agriculture, assainissement, et renforcement capacité institutionnel. Nouveau ambassadeur a parlé une après l'autre dans le micro Sabine Jean-Étienne avec Jean-Naël Duvernay. Et nous continuerons ce que nous faisons jusque maintenant. Et avec des grands projets de l'eau, d'assainissement de l'eau, qui est un grand programme qui se déroule depuis beaucoup d'années dans les pays, dans plus de 30 villes. On est présente avec des grandes œuvres, travaux publics d'assainissement,
et de, pour l'eau potable et pour l'eau pour les villes, pour les citoyens, et aussi dans le secteur productif, dans la, l'agriculture, la pêche, l'environnement, dans le secteur aussi de l'éducation. On est toujours là et on va continuer avec la même et confiance et optimisme avec lequel nous avons travaillé pendant les années dernières. La culture va toujours être une priorité pour la pour l'ambassade, parce qu'on pense que la culture c'est très important pour faire avancer une société, et puis la culture haïtienne elle est particulièrement intéressante, et dans ce sens-là sans doute on va continuer à appuyer la culture. Donc on travaille sur le développement rural, on est surtout dans la région du sud, on travaille sur des sur réduire les risques, on travaille sur le développement économique local et on travaille surtout aussi sur la gouvernance territoriale. La jeunesse a besoin d'être éduquée pour avoir un avenir meilleur. Donc nous allons travailler dans l'éducation fondamentale, l'éducation technique et même à l'université, puisque c'est à l'université qu'on forme les maîtres et les professeurs. Dans tous ces domaines, nous allons travailler avec les institutions dominicaines, haïtiennes, pardon, avec le ministère de l'éducation de votre pays. Nous allons travailler aussi beaucoup sur le renforcement des capacités de l'État haïtien, les capacités à gérer. Nous allons travailler sur la déconcentration aussi pour renforcer l'administration, renforcer aussi l'état de droit et renforcer également les droits de l'homme et les institutions qui les défendent. Et enfin, nous sommes très intéressés à développer notre coopération avec Haïti dans le domaine du changement climatique. Toujours même dossier ça, ambassadeur tout neuf, pays la France, là, José Gomez, ba garanti, pays la a respecté toute promesse yo fait pour ba bourade l'argent dans une série projet développement en Haïti. Diplomate la fait qu'on est gagné un valet 37 millions d'euros qui déjà engagé dans 50 millions d'euros ancien président François Hollande te promette pour supporter secteur éducatif haïtien sur une période 5 années, sorti 2015 pour arriver 2020. Ambassadeur José Gomez, dans le micro, Sabine Jean-Étienne avec Jean-Naël Duvernay. Le président Hollande avait en effet promis une aide à l'éducation de 50 millions. Ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, alors que les 5 années ne sont pas du tout écoulées, c'était 2015-2020, nous avons déjà engagé 37 millions. Donc les engagements du président de la République français ont été tenus et sont en train d'être tenus. Nous développons une coopération très intense pour, je le répète, renforcer la qualité de l'éducation en Haïti, renforcer notamment l'apprentissage du français et du créole qui doivent aller la main dans la main. Et puis nous intervenons aussi, comme je vous l'ai dit, dans l'éducation technique. Nous allons développer un enseignement sur les métiers de l'eau, parce qu'il y a un problème de l'eau ici. Donc il y aura des techniciens haïtiens dans le domaine de l'eau. Nous allons développer aussi des techniciens dans le domaine de l'automobile, de la mécanique automobile et de l'électronique automobile, dans le domaine agricole aussi. Donc nous sommes très actifs dans ce domaine et les engagements qui ont été pris sont tenus. Plusieurs entités parmi eux, 6 organismes dans l'État, 3 universités, partenaires techniques et financiers l'État haïtien travaillent pour élaborer un document sous politique et stratégie nationale souveraineté, sécurité alimentaire et nutrition en Haïti. Responsable présenté document ça by la presse mercredi 12 septembre là dans l'université Kiskeya. Document ça a pour objectif permettre l'État de joindre une stratégie nécessaire pour réduire phénomène grand gouan net dans le pays à arriver l'année 2030. Nous invitons à suivre un compte-rendu dans le micro Falant Delphine et Fresnel Toussaint. Document ça qui pour qu'on finisse, gain là dans information et statistiques qui prouvent comment situation sécurité alimentaire, souveraineté alimentaire et nutrition a dégradé pendant 30 années qui sont passées là-haut.
Chiffre dans le document ça a montré pays d'Haïti c'est côté prix manger au pichet dans la région. 47% de la population dans grand goût et c'est pays côté gain moins manger dans monde là puisque sur 200 pays qui a confronté même problème là Haïti occupé dernière place là. Pour améliorer situation ça, institution qui travaille sur élaboration document proposé pour responsable dans l'état mettez campé bon gens politique public et mettez sous place programme qui pour viser souveraineté et sécurité alimentaire. Proposition aller plus loin pour demander aux autorités considérer et appuyer agriculture familiale comme secteur relance économique là et surtout investir dans services de base pour garantir sécurité nutritionnelle là dans le pays. Même document si là fait qu'on est c'est depuis dans l'année 1996 autorités a élaboré plan stratégique pour combattre grand goût dans le pays. Sénateur la Tibonite lan Yuri la Tortue fait qu'on est li important pour Sénat chambre député a vérifier pièce ministre ak tout membre qui composé cabinet ministériel là avant séance ou énoncé politique générale la fête. Sénateur la Tortue dit il pas comprendre comment un citoyen vle vin ministre et puis li gen nationalité étranger ou bien li pas payer impôt. Dans sens ça parlementaire a dit wol yo c'est vérifier si dossier membre cabinet ministériel là correct. Nous invitons suivre extrait. D'après information, c'est que il y a deux commissions qui ont formé, une commission sur la question d'immigration et une commission sur la question de décharge pour vérifier pièces ministres. Immigration apparaît, question de décharge, la Cour des comptes dit la première rapport à la jeudi, et moi je pense à partir de ce moment, il va l'avancer. Mais il était important pour vérifier pièces ministres, puisque au départ, nous jeunes Américains. Au départ, nous jeunes gens qui ne peuvent pas payer taxes. Ça veut dire que, au lieu que Néglaté prenne fonction, les commencent à signer pour nous demander d'aller, mieux vaut que nous montons. Et je crois que je dis, à, eh bien, si on citoyen ou pas payer taxes, c'est les rivés que nous nommons en poste au bal des pays ou pas comme ministre. Ou pas comme ministre. Si un citoyen ou connaît que, eh bien, ou pas répondre à critères, eh bien, c'est pour que vous dites premier ministre ou bien président. Citoyen Osnier Richard qui perdit poste ministre environnement dans cabinet ministériel, premier ministre nommé agent Henri Seyan parce qu'il gagne un passeport étranger, pas présenté dans paquet Port-au-Prince mercredi 12 septembre. Là. Intéressé à te doué répondre question commissaire gouvernement tribunal première instance juridiction 1, Maître Oknam Klame Dameyus sous dossier ça. Audition a reporté pour mercredi 19 septembre cap vini là, d'après commissaire Oknam Klame Dameyus qui nan micro Stéphanie Charles avec Lydier Dieudonné. Suite à des informations qui viennent auprès du commissaire gouvernement, nous te apprenons que, en dépit que M. a gagné, ça n'a pas brûlé, il est détenteur de yon et citoyenneté américaine ou internationale dans l'autre pays, il était accepté que non sorti dans arrêté qui nous met ministre de l'Environnement. Maintenant, nous-mêmes, étant donné que les monde gagne au pral ministre, c'est sûr que vous mandez pour déposer un ensemble de dossiers qui personnel a ou même. Maintenant, nous avons besoin, rassurez-nous que M. a venu dans le paquet pour venir avec tout document pour nous garder ensemble. Pour nous connaître, est-ce que parmi les dossiers qu'elle a déposé pour le ministre, est-ce que les gagnants ont versé passeport que vous avez dit qu'il gagne qui c'est passeport étranger. Maintenant, dernière information que nous avons, c'est que nous avons un malaise. Je ne peux pas expliquer qui malaise lié parce que moi-même, je ne suis pas médecin, je ne suis pas spécialiste. Nous avons un malaise et pendant que nous parlons là, nous sommes dans l'hôpital dans la capitale. Là. Or, si nous sommes dans l'hôpital, je ne peux pas mettre en tête moins pendant l'hôpital là, il faut que nous soyons présents dans le paquet. Donc, qui ça me fait moi-même? Moi, d'abord, je demande juste de paix qui était présent dans le paquet à constater l'absence de M. Osner Richard. Maintenant, suite à constat d'absence, je vais faire d'abord une nouvelle convocation à 8 pour M. Richard présenter dans le paquet avec tout dossier personnel qu'elle a déposé avant pour être nommé ministre environnement. Nous avons le temps pour récupérer lui, et temps pour récupérer là, nous avons 8 jours et mercredi à 8 li gagnent pour le présenter dans le paquet, pour le venir, pour analyser document, pour nous capables. Est-ce que nous pourrons gagner en poursuite
contre faux. Est-ce que nous parlons de poursuite contre les gens qui font fausse déclaration? Nous ne connaissons pas. Mais ça qui est important, nous avons monsieur Apoulvin n'a pas qu'à vous expliquer nous. Qui dossier a déposé pour être venu nommer ministre de l'Environnement? Office Protection Citoyen OPC lancé officiellement mercredi 12 septembre l'an deuxième édition concours texte avec reportage audiovisuel sous Douamoun. Selon responsable deuxième édition concours ça qu'a réalisé dans occasion commémoration 70e anniversaire adoption déclaration universelle Douamoun, visé permettre génio impliqué au plus dans question promotion à protection Douamoun. Concours ça a fait dans trois catégories, catégorie A qui concerne les jeunes journalistes, B pour étudiants et puis C pour élèves l'école yo. Intéressé au gain jusqu'à 19 octobre pour soumettre texte ou soit reportage yo qui ka fait dans langue créole ou bien français sous sujet qui proposé selon catégorie yo. Nous invitons à suivre. Nous voter qui gagne dans deuxième édition ça que nous lancer matin, c'est que concours de texte ça li destiné à trois catégories de monde. Première catégorie de monde, ce sont les journalistes, les jeunes journalistes entre 18 à 35 ans, qui ont gagné pour traiter un sujet, pour dire comment il y a un partenariat, une relation entre l'OPC et la presse haïtienne sur la question de l'homme. C'est un texte qui est capable de rédiger entre 4 à 6 pages. Et le deuxième sujet que nous proposons aux jeunes journalistes, c'est pour faire un reportage, soit radio, soit télévisé, ou bien écrit un article de journal qui publié dans une édition ou bien en ligne sous question droit. Maintenant, deuxième catégorie de monde que nous visons, concours de texte en visée, eh bien, ce sont les étudiants des différentes universités, des différentes facultés, des différentes disciplines, communication, droit, tout et tout, sciences humaines, ethnologie, et nous avons des sujets qui ont rapport avec la Déclaration universelle des droits de l'homme. Nous avons des sujets qui ont rapport avec la protection sociale pour les travailleuses domestiques, les marchandes ambulantes, les madame Sarah. Et troisième catégorie de monde qui visait dans le concours de Texas, eh bien, ce sont les écoliers. Et nous proposons d'étudier quatre sujets. Et quant aux études écolières, nous proposons deux sujets. Youn pour dire comment que yo ouais un écolier ou bien un camarade de classe, un petit monde qui l'école, comment que le capable travail pour faire avancer question droit monde, pour faire avancer promotion droit monde. Et deuxième sujet que nous destiné à écolier, c'est un sujet qui portait sur les NTIC, les nouvelles technologies de l'information, particulièrement l'internet, côté que nous m'a dit mon yo journée jeudi à face à développement technologie, face à développement internet, face à développement réseaux sociaux, comment que yo ouais yo capable utiliser réseaux sociaux ça yo internet dans les nouvelles technologies de l'information en rapport avec l'éducation. Dans la même occasion, un directeur promotion dans l'Office Protection Citoyen, Jude Jean-Pierre, présenté critères pour un monde participer dans la deuxième édition concours texte avec reportage audiovisuel sous Douamoun. Pour catégorie A, journaliste la doit gain en 18 à 35 l'année. Faut que la travaille dans un média, tout le monde connaît. Pour catégorie B, étudiant qui intéressé participer doit gain 4 étudiants li. Pour catégorie C, élève la doit l'école. Remise prix pour concours a fait dans date 10 décembre selon Jude Jean-Pierre qui fait qu'on est dans niveau OPC, y a travail pour permettre activité à bien passer. Suivant extrait dans micro Rachel Saint-Fort à Hervé Pierre. Quelques critères rapidement pour concours là. Et pour journaliste son reportage de 3 à 5 minutes et faut journaliste âgé entre 18 et 35 ans. Faut que journaliste qui a un cadre de presse, ça veut dire que le journaliste a travaillé dans les médias reconnus, il est capable de médias en ligne, il est capable d'une station de radio-télévision ou bien un journal écrit. Et il faut que le journaliste là publie ou bien diffuse le reportage. Ça. Si son article faut le publier, au moins une fois, dans quelle que soit l'émission. Hein, et nous-mêmes, au PC, nous allons garder qui côté le reportage a été diffusé. Pour l'autre critère qui a rapport avec le niveau B, n'a parlé de étudiants, c'est un fois mon nom et étudiant ou même en université a dit faut qu'on 4 étudiants faut mon ça il capable soumettre un texte de 4 à 6 pages et faut mon ça tout texte il a soumettre là son texte qui original, c'est pour plagiat, c'est pour un texte mon copier,
c'est pour un copier-coller de l'autre texte, c'est un texte qui est capable d'un argumentaire juridique de l'Institut des Nations Unies, mais qui a une certaine originalité. L'autre critère pour l'école, il faut que les gens dans l'école, s'ils sont écoliers, faut qu'ils capables de soumettre un texte de 2 à 4 pages, 2 pages minimum ou bien 4 pages maximum. Et sujet, yo, nous avons publié sous page Facebook OPC qui c'est OPC Haïti, sous page Twitter nous qui c'est A commercial OPC Haïti, sous page Instagram nous c'est même bagala, c'est OPC Haïti. Dès et après-midi à même, nous allons publier tout sujet. Nous sommes capables de passer dans le local OPC qui est 381 ou 2 Boudon, ça c'est le bureau central là, ou bien dans le local que nous avons toujours depuis longtemps sous la LUA, 145 avenue John Brown, la LUA. Et tout l'autre monde qui est dans la ville de Provincio qui a besoin de participer, nous sommes capables de contacter un bureau régional OPC dans Saint-Marc, dans Gonaïve, dans Cap-Haïtien, dans la ville de Caï, dans la ville de Jérémy, ville de Jérémy. Vous êtes capable de jouer un agent au PC et soumettre texte, ou bien vous êtes capable de voir par email sur concours en français OPC Haïti à commercial gmail.com. Concours OPC Haïti à commercial gmail.com. Vous avez à partir de demain pour soumettre texte jusqu'au 19 octobre. Tortellus Family. Après une courte pause, reste information, c'est pour tout de suite après. Dans la page internationale, la Martinique et Guadeloupe passent en bas à l'alerte rouge à cause de la pluie et de l'orage. Habitants anti-françaises ont préparé pour le passage tempête tropicale Isaac. Une année après le passage ouragan Irma, habitants ont semblé prendre plus de précautions. Nous prenons ensemble mes pour préparer. Betty Abdi nous plus dans un reportage. Martinique et Guadeloupe passent sous l'alerte rouge pour que la pluie tombe à l'orage. L'école et Saint-Loisir ont fermé, de l'eau coupée, pas de transport dans la machine publique. Presque une année après passage dévastateur ouragan Irma, qui était dans la catégorie 5, côté 11, on a perdu la vie dans Saint-Barthélemy, Antillo prend précaution. Saint-Martin et Saint-Barthélemy pour qu'on y a sous vigilance orange. Dans Guadeloupe, préfecture attend à Gorafalvan à partir 110 pour arriver 130 km à Gualapli qui a entraîné inondation. Toujours dans la page internationale, là, yon individu touye 5 moun, parmi yon madame li, avant touye tête li dans Bakersfield, dans Californie, mercredi 12 septembre 2018 là. Individu si la tiré sous yon employé yon entreprise transport routier, pendant le tap palé avec elle et puis en après tiré sous madame li, ak yon lot moun ki te vin wè sa ka passé ya. Assaillant échappé pou li après zak la et puis touye de lot moun sous passage li, lè la police rive li touye tête li. D'après ONG Ground Violence Archive, c'est 254e zak criminel en masse à exam qui recensé dans le pays États-Unis pendant l'année 2018. Dans sport, député commune Cité Soleil là, le maire Pierre mandé un funérailles national pour Rosemont Pierre, entraîneur Real du Cap là qui mourit lundi 10 septembre passé à sous route à Kaya. À l'étranger, football sanction Fédération italienne non retiré 3 points pour fraude sous équipe Chievo Verona Cap joué championnat d'Italie en Serie A. Nous invitons à suivre. Ancien joueur Aigle Noir Athletic Club et sélection nationale là, Rosemont Pierre, plus moun connaît son nom de Rosemont, mourit lundi matin 10 septembre 2018 là à Kaye, pendant l'étape sortie au Cap Haïtien pour venir assister à un match Haïti Saint-Martin lundi après-midi dans le stade là, dans le cadre éliminatoire Ligue des Nations contre CACAF là. Touché par le mort tragique ça, que personne n'a pas expliqué, bureau député Le Maire Pierre présenté sympathie à la famille défunt, équipe Real du Cap là, à toute famille football là, dans une note grande publique, journée mardi 11 septembre 2018 là. Député circonscription Cité Soleil là, Le Maire Pierre, qui est vice-président de la commission sport chambre député, a souhaité un funérailles national pour Rosemont Pierre. Et bien voilà, amis téléspectateurs, journal arrivé dans Boutli. Nous remercions pour attention et fidélité. Restez sous TNH pour reste programmation. Bon après-midi tout le monde.